Tout à coup, à ma gauche, j'ai entendu quelqu'un entrechoquer des pierres. Je me suis retournée et je l'ai vu, debout, qui me dévisageait. D'étranges histoires de créatures poilues courent de tout temps en Europe et en Asie. En Europe, les représentations d'hommes sauvages, le fameux homme des bois d'outre-Manche, apparaissent sur les blasons et les manuscrits dès le Moyen Âge. Au cœur de l'Asie, d'autres créatures velues peuplent aussi les légendes, telles le Yéti du Népal. Ce mystérieux homme des neiges a même éveillé la curiosité de Sir Edmund Hillary, l'un des plus grands alpinistes de l'histoire. Hey Jumbo! Ah! C'est quoi? Yeti. Ah! En 1953, Hillary et Tenzing Norgay ont été les premiers à vaincre l'Everest. Durant leur ascension, ils ont remarqué de grandes empreintes dans la neige. Quelques années plus tard, en 62, Hillary repartira dans l'Himalaya à la recherche du Yéti. Son équipe aura beau prétendre en rapporter le cuir chevelu, la supercherie sera vite démasquée. Les poils n'étaient pas ceux du Yéti, mais d'une chèvre. Une autre créature, le Yéren, hante, paraît-il, la province d'Ubaï, en Chine. Les scientifiques chinois ont beau être sur ses talons depuis les années 50, ils ne l'ont toujours pas croisé en chair et en os. Le Yéti et le Yéren ne sont pas seuls au monde. L'Amérique possède son Bigfoot, l'Australie son Yowie et Sumatra son Orang-Pindek, tous plus proches du singe que de l'homme. Mais l'Almas est un homme sauvage qui sort du lot. Plus proche de l'homme que du singe, il tirerait davantage vers notre cousin néandertalien.